Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Chamondos 14 et on se retrouve sur Sport. Et ouais, un bon vieux jeu 2008 édité par Electronic Arts, développé par le même gars que les Sims, je sais plus qui c'est. Et donc, un jeu bien sympa qui se construit en plusieurs phases. On les découvrira tous ensemble puisque je vais faire un playthrough. Voilà. Donc bon, c'est parti. C'est de quelle planète on va prendre? Alors donc là on choisit sur quelle planète on commence. J'aimais bien celle-là ou celle-là. On va dire celle-là. Hop. Alors, donc vous voyez, il y a la phase cellule, créature, tribu, civilisation et espace. Donc bon, on va commencer hein, au début. Alors je sais pas moi, on va dire carnivore. Non, un peu carnivore, herbivore. Aucun thème, non, aucun thème. Hop, voilà. Facile, allez, hop, je me suis aussi. Nom de votre planète. Power World. Power World. Puissance. Hop. Alors, je vais découvrir les belles cinématiques. Alors donc j'ai désactivé le didacticiel, mais le but est que j'emmène mon bonhomme avec mes touches fléchées manger des trucs comme ça, parce que c'est des plantes, comme je suis herbivore, pour remplir la jauge que vous voyez en bas de l'écran, qui se remplit au fur et à mesure. Alors vous voyez, donc là il a grossi, hop. Et mon but étant que je grossisse le plus possible. Donc en fait tout ça accumule des gènes et ça me permet de devenir plus gros. Alors donc je suis pas le seul hein, de mon espèce. Et je suis pas le seul à être être humain tout. Et voilà. Voilà ce qui arrive. Il y a forcément plus gros que soi. Voilà, donc là j'ai repris la vie un petit peu. Alors, j'adore, c'est vraiment très sympa comme jeu. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux appeler ma compagne. Hop. Et on va se reproduire pour former un nouvel être. Bon là, elle est en train de se faire péter, mais hop, voilà, j'ai fait un œuf. Oui, hein, on va rien dire. Et donc là, j'entre dans le menu création. Je peux personnaliser mon personnage, donc c'est à dire je peux. Bon, d'accord, je peux pas. Je peux par exemple lui enlever les yeux, lui enlever ça, lui enlever ça. Et à la fin, il me reste plus que ça. Alors, donc bon, on va lui mettre. Ouais, on a épée dans le cul. Quoique, quoique, quoique. Ouais, non, on a épée dans le cul. Parfait, tac. Une flagelle, parce que sinon, c'est pas intéressant. Ça, une bouche filtrante, bien sûr. Donc je peux le faire s'attaquer aussi, mais seulement j'ai pas envie. Alors comment, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Chamrodian. Voilà. Description. Power. Étiquette. Power. Power and Power. Oui, parce qu'il faut savoir que nos créatures sont mises en ligne. Enfin, c'est pas obligé, vous êtes pas obligé d'être connecté. Mais en gros, voilà quoi. C'est.
et c'est agréable. Alors, le temps de chargement des textures, c'est génial. Alors, donc, vous choisissez à quoi il va ressembler. Ça. Ça, ouais, j'aime bien ça. En noir. Ou comme ça, à la limite. Ah, quoi que. Voilà. Le problème, c'est que c'est tellement bien comme jeu que on sait pas quoi prendre, tout est bien, quoi. Là, c'est... J'adore ce jeu. Hop, ça. Ou ça. Ça. Et hop. Tac, en noir. Allez. Parfait. Voilà. Donc là, mon nouveau truc a évolué. Donc chaque truc que je fais, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, ça crée, ça m'enlève des gènes. Et voilà. Ouh, il y a de la grosse bête par là. Il est à moi. Alors quand on est carnivore, il faut qu'on mange les autres. Mais c'est pas intéressant. Pas vu. Les carnivores mangent le bout de viande qui traîne là, comme vous l'avez sans doute vu. Et donc voilà, donc on n'est pas les seuls à faire la course à l'évolution. Hop, bon, je suis pas dans le cours des grands encore. Donc j'adore ce petit passage là comme ça, c'est une sorte de mini-jeu. Le pré-jeu, c'est ça, rigolo, on montre un petit peu le style du jeu, et voilà. Allez, allez. Ouch. Donc voilà, ouais, il y en a qui peuvent nous attaquer, d'autres non, donc ça c'est le mieux, ça. Parfait. Parce que ça c'est vachement pratique ça. Vous voyez là, tac. Oula, oula. Ok. Donc là on a des coquillages, mais vrai. Alors. C'est un jeu vraiment super bien fait, super agréable. Ça, vous voyez, voilà, ça nous fait découvrir des trucs. Donc là j'ai découvert du poison. Alors je vais donc lâcher la compagne. Carrément. On va le rendre un petit peu plus agressif, hein, puisque ça suffit là. Marre de se faire marcher sur les pattes. Alors vous voyez, ça coûte 15 gènes. Donc là, j'ai mon nombre de gènes. Donc budget, voilà. Donc c'est bon pour l'instant. Poum. Tac. Hop. Et hop, voilà. Fini de jouer. Ah.
bon. Oui, je suis en train de débuter avec mon poison. Hop, ça leur fait pas du bien. Aïe. Ça c'est puissant aussi. Mais je l'ai pas encore découvert. Alors, donc, dans ce premier épisode, je pense qu'on va juste finir d'atteindre une belle grosse taille. Les espèces qui évoluent au fur et à mesure, c'est intéressant. Pourquoi je ne trouve plus? Au fur et à mesure qu'on avance, on ajoute de la complexité à notre espèce. Donc là, vous voyez, hop, là je vais aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et je vais pouvoir faire des virages éclairs. Et ça, c'est vachement pratique. Espèce est en mode dominance.
en fait ça joue tout sur la taille du cerveau. Voilà, hop, il a développé un cerveau. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'intelligence. Donc là, vous voyez, il suffit que je clique là pour faire une transition vers créature. Donc voilà, c'était Charmander 74. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, hein, ça me fera toujours plaisir. Faites-vous plaisir en regardant mes vidéos. C'est important quand même. Et puis voilà, à la prochaine. Et voilà. Salut tout le monde.